avant tout son équipe qui est dynamique et investie, un vignoble en très bon état et d'un seul tenant, et enfin un cuvier 100% bois qui a été refait il y a très peu de temps. Ce serait une planche de surf, parce qu'en fait au départ ça a été un peu compliqué, mais au final on a de belles sensations. Puissant, fruité et élégant. Alors c'est d'époque un gigot d'agneau. En 2024, on peut commencer à le boire pour que tout son fruit s'exprime. Et ensuite, je pense qu'il a un potentiel de garde d'une dizaine d'années.